Coucou Melchat, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur je vous présente Poursuis tes rêves, le film. Donc j'ai fait Poursuis tes rêves, la série. Maintenant, je fais le film. Voilà. Alors du coup, je vais mettre film. Donc en fait, cette série est sur Netflix, hein, si. Voilà, toutes les séries et tous les films que je vais vous présenter sont sur Netflix. Parce que, en fait, moi je regarde plus Netflix qu'une autre chaîne, en fait. Donc, voilà. Ah, mais il n'y a pas de résumé, putain. Comment on va faire? Attendez, je vais le. Résumé, voilà, je vais taper résumé. Donc, moi j'ai vu Poursuis tes rêves le film 1. Je pense pas qu'il y ait 2 ou 3. Alors peut-être que j'ai pas vu, mais voilà, je pense pas qu'ils y sont. Ou peut-être qu'ils sont en cours et qu'ils vont arriver, je ne sais pas trop. Donc du coup, ça c'est. Pourquoi il n'y a pas le résumé de. Ah voilà. Pourquoi? Moi en fait, j'ai vu le film Poursuis tes rêves, une fête inoubliable. Donc du coup, voilà. Donc je sais pas si c'est le 1 ou quoi, je sais pas, mais moi c'est j'ai vu Poursuis tes rêves, une fête inoubliable. Donc du coup, en fait, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous mettre, déjà je vais vous mettre le résumé. Donc je vais vous lâcher le résumé, vous lire le résumé, je vais dire. Et après, je vous mettrai la bande-annonce si vous voulez aller voir. Voilà, j'ai pas fait pour la série, mais bon, la série, vous pouvez la retrouver et puis vous pouvez trouver la bande-annonce. Et là, je vais vous lire le résumé et je vais vous mettre la bande-annonce. Comme ça, je vais vous faire regarder. Voilà. Du coup, le résumé, en vacances au bord du lac avec son père, Mia voit débarquer loupé. Mercedes, Juanma et Alvaro, les valises pleines d'histoires, d'aventures et de petits drames. Donc voilà, en fait, le résumé, il n'est pas trop. Je pense pas trop tentant, mais bon, le film, il est cool. Donc voilà. Et après, je vais vous mettre la bande-annonce, comme ça, je vais vous faire voir bah, la bande-annonce de ce film. Donc une fête inoubliable. Poursuis tes rêves, une fête inoubliable. Bande annonce, voilà. En fait, elle est là, la bande annonce. Alors attendez. Voilà, la bande-annonce de. Dans très peu de temps, le championnat va commencer et on doit s'entraîner pour perdre ou pour gagner, mais on doit aller au bout de ce projet. Merde, c'est la série, ça. La bande-annonce de la série. Bon, bref, c'est pas grave. Vous voulez savoir un truc dingue? Pendant un moment, j'ai pensé que vous étiez mon père. Est-ce que tu imagines un univers parallèle dans lequel tu es la sœur de Loupé? Imagine les vacances en famille! Et d'Alvaro! En fait, j'aurais aimé avoir un papa comme Ramiro. Mia, t'es pas heureuse dans cette école. Tu vas venir vivre avec moi en Espagne. Comment ça, il y avait Juanma? Quoi? Comment ça, elle part en Espagne? Comment ça, Mia, sans papa? Attendez, c'est quoi le truc? Vous allez me répondre comme ça à chaque fois? Ouais, mais c'est pas possible! Oui! Mia part en Espagne.
est exclue de Go, nous perdons le championnat. Sauf que Mia n'est pas encore partie. C'est vrai ça, tu peux encore lui avouer tes sentiments. Oh mais quelle tension! Oh, c'était affreux! J'avoue que parfois, il y a des moments extrêmement rares où je m'entends bien avec toi. C'est pareil. D'ailleurs, si on allait dans ta chambre pour continuer à bosser, tu vois? Faut toujours que tu gâches tout, c'est pas possible ça! Voilà, ça c'est la bande-annonce de la série. Et je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé la bande-annonce du film. Pour ça, j'ai tapé le film. Donc, je sais pas. Elle est peut-être là, mais c'est pas marqué bande-annonce en fait. Sur le premier. Donc, je sais pas trop bande-annonce. Ah, si, c'est la bande-annonce du film, ça. Alors, je suis désolée pour le contre-jour, mais bon. En fait, cette série, elle est un peu dans le noir, hein, on va dire. Bon, allez, bouge-toi. Pourquoi il fait pas? Voilà. J'ai souvent rêvé de passer un nouvel an comme celui-là, avec mon père, mes amis et de la musique. Mais jamais j'aurais imaginé que ça se passerait comme ça. Je vais passer le nouvel an le plus génial de toute ma vie. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Mia. Non, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous faites là? Premièrement, tu me voles mon père et là, tu me voles mes vacances. Pour moi, tu seras toujours ma petite poupette. Tu le sais, ça. Toi et moi, on est des sœurs. Et âmes sœurs pour la musique. Tout ça va mal finir. Juanma vient de m'envoyer une invitation pour la fête de Jess et John. Wow, cet endroit est incroyable. Est-ce que tu sors avec Juanma? Qu'est-ce qui se passe? T'es jaloux, hein? Juanma est mon ami, tout comme toi. On a tout fait de travers, non? Je crois que Mia veut surtout qu'on lui fiche la paix. Alors, ami, pas ennemi, on va dire. J'ai toujours rêvé de commencer la nouvelle année comme ça. Et je suis certaine qu'au cours de cette année qui arrive, on finira par réaliser tous nos rêves. Voilà. Voilà la bande-annonce du film. Voilà, du coup, je vous ai mis les deux bandes-annonces de la série et du film. Voilà, mes chats, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez peut-être regarder la série ou le film, que je vous ai donné envie de la regarder. Moi, elle m'a plu de fou, le film. Je mets un 20 sur 20, la série, 20 sur 20, voilà. Ça m'a vraiment plu et quand la saison 3 sortira ou quand un autre film de Go sortira, je crois que, enfin même c'est sûr, que je vais le regarder. Voilà mes chats, bisous.